Le 11 janvier 2010, Avocats sans frontières Canada venait tout juste de faire approuver un nouveau projet qui devait commencer en Haïti. Est arrivée évidemment cette catastrophe sans nom le 12 janvier 2010, le tremblement de terre que l'on connaît. Au lendemain de ce tremblement de terre-là, une question se posait, est-ce qu'une intervention en matière de justice est encore pertinente? Ce sont nos partenaires, ce sont les gens avec qui on travaille qui nous ont donné la réponse immédiatement en nous lançant un appel très pressant pour que Avocats sans frontières se mette à l'œuvre dès maintenant pour un nouveau projet. Ce nouveau projet vise à répondre aux impératifs du moment, c'est-à-dire à mettre en place des services de justice de proximité aux victimes du tremblement de terre, des mesures de justice de première ligne. Ben en fait, pourquoi de la justice dans une situation d'urgence? On s'est fait poser la question. On nous a dit les gens ont besoin maintenant de nourriture, de soins de santé, d'un toit. Et on est tout à fait d'accord que ce sont les premiers besoins. Mais la justice est tout aussi essentielle dans ces situations-là. Ça nous a été dit par nos partenaires, c'est essentiel que les personnes les plus démunies puissent régler leurs litiges de façon civilisée. Sinon, on se fait justice soi-même et là, c'est le chaos total. Le projet vise essentiellement à offrir aux sinistrés des services de proximité en matière de justice. Donc, on va ouvrir des centres qui vont être des infrastructures mobiles, temporaires, à proximité des camps de déplacés. Et là, on va d'une part offrir des services d'orientation, de conseil, d'assistance légale donnée par des avocats haïtiens qui seront à l'intérieur de ces centres. Il va y avoir également des services de médiation, conciliation quand c'est possible pour éviter d'aller devant un juge. Il y a un volet aussi d'éducation des populations, donc pour que les populations puissent d'abord connaître, savoir que ce service existe, en connaître aussi l'importance. On souhaite à travers ce projet contribuer à alimenter, disons, les gens qui veulent réformer le système de justice en Haïti. Donc, on va documenter nos expériences. Il va y avoir des recherches qui vont se faire sur différents sujets, notamment sur les modes alternatifs de résolution des conflits, sur la justice de sauvegarde. Il va y avoir des documents, des outils pédagogiques qui nous l'espérons, vont servir aussi au-delà du projet. Et on va travailler aussi durant ce projet à reprendre le travail qu'on aurait voulu faire sur les détentions provisoires prolongées et abusives.